l'impératif, hein, mais d'un seul verbe parce que je suis un petit peu fatiguée. Vous avez dû remarquer, comme moi, que beaucoup de gens vous incitent à aller voir des spectacles ou des films. Et pour cela, sur les réseaux sociaux, ils écrivent « courez-y ». Et très souvent, ils ont envie de mettre deux R, comme si on allait y aller plus vite. Or, ça ne rime à rien. Regardez, le verbe « courir » s'écrit avec un seul R. Donc, pour former l'impératif présent, il suffit d'enlever « ir » et d'ajouter « s », « ons », puis « ez ». Donc, je vous l'écris en entier. Courez-y, avec un seul R. Hein. Il n'y a aucune raison d'aller ajouter un R là, qui tomberait du ciel et qui viendrait se coller à l'autre. Là, je vois même pas d'où il viendrait. Hein. Vous avez remarqué ces noix de cajou, là, en haut à gauche? Ben moi, quand je déprime, je mange des noix de cajou. Et quand je vois deux R à courez-y, ben, ça me déprime. Je vais prendre des kilos à cause de vous. Hein. À bientôt!